Salut mes traceurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je vous propose un autre vlog. Donc là on se retrouve un peu sur le spot de la vidéo précédente. Sauf que comme il est très grand, j'ai changé d'endroit. Donc désolé si vous entendez un peu de vent. J'ai pas voulu prendre le micro sinon ça allait faire trop charger dans mon sac. Donc voilà. Donc là je vous propose un nouveau petit run, enfin quelques nouveaux petits runs pour cette vidéo. Parce que vous voyez le spot, nous on était ici à l'entrée du château. Nous on va rester sur l'herbe et un peu là, juste ici. Voilà. Après il y a des petits toits mais bon ils sont pas ultra hauts, genre ils font à peine 2,5 mètres de haut, 3 mètres. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse sur mon échauffement en rapide et puis après on passe au run. Allez c'est parti. Juste avant ça les gars, regardez-moi cette vue magnifique. Et avouez c'est beau. En plus il y a, comme c'est le déconfinement, il y a pas beaucoup de personnes. Regardez-moi ça. Ça c'est magnifique. C'est trop beau. J'adore. Bon allez c'est parti, échauffement. On sèche les cours, la flemme marque le coup. Donc là voilà, donc mon échauffement est terminé. Donc il n'y a plus qu'à mettre en œuvre mon run. Donc comment je vais faire mon parcours. Donc j'ai déjà ma petite idée derrière la tête. Mais bon, je vais pas en dire plus. Je vous laisse voir ça par vous-même. Ok, donc là on a les marches. Donc là j'ai pensé faire un petit saut de presse vraiment tout petit. Il fait quoi? Allez, un petit mètre 20, un petit mètre 30, même pas. Ensuite là, je pense descendre par là. Ou les monter à l'inverse. Je pense que je les monterai et je les descendrai. Là ensuite je fais une petite acrobatie. Je remonte là-dessus en passe-muraille. Voilà, j'ai perdu le mot. Ensuite, de là, je saute là. Soit je fais rondade salto arrière, soit je suis juste un salto arrière, soit je fais overback, soit. Enfin je ferai une acrobatie aussi. Hein, soit. Et puis après, on ira peut-être sur ces toits là après. Un petit peu. Bon, y a rien à faire, hein, je vous l'avoue. C'est des pirates, sa vie, pas de projet à part mater des DVD piratés. Ah, on verra bien. Tout le monde rend fou, tout le monde est en guerre. Hein. Plus on se rend flou, et moins on voit clair. Hein. Quand t'as pas d'argent, dans ce monde t'as pas droit. Hein. Y'a ceux qui cassent en tête et ceux qui t'as pas droit. Hein. Combien de fois j'ai volé par flemme de faire la queue. Hein. Mon papa me croit pas, mais ça me sente le tabac froid. Hein. On se fait chier au taf, on attend les camps va, hein. On se parle derrière un ordi, mais en vrai quand est-ce qu'on se voit, hein. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien, vas-y viens on n'y pense pas. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien, on verra bien. Ici non seulement ça rappe, mais quand y'a un gros sommet ça rappe. Et que n'aie pas peur des insultes qu'on se lance aux consonances arabiques. On est tous dans le même bateau, même ceux que l'on aime pas trop. Car l'amour, le son et la bouffe sont devenus consommation rapide, les jeunes pensent plus à des stars des villes. Oh voilà, pause terminée. Je suis monté sur le toit là, donc je vous l'avais dit. Hein. Y'a rien à faire. Voilà. En plus, je me suis dégueulasse en moment. C'est très bon tout ça. Bon, ça va, y'a quand même un petit saut de presse là que je peux tenter de faire. Et il faudra, je pense, aussi faire des petits shootings photos là pour les poster sur Insta. Voilà, parce que tous ceux qui me suivent sur Insta. Et bien vous pouvez voir à l'avance ce que je vais faire comme vidéo. Si vous voulez me suivre sur Insta d'ailleurs, c'est BboyKiki officiel. De toute façon il y aura tout dans la description au niveau de mes réseaux sociaux. Et puis c'est parti, je vais essayer de faire quelques trucs. Hein. Et les gens, on a une vue magnifique. Bon, sauf là. Là. Mais là, à partir de là jusqu'à là, c'est trop beau. Donc voilà, donc là, mon run et tout est terminé. Je vais faire quelques shootings photo. Et puis voilà. Donc voilà, donc là déjà je vais faire un petit truc de photo là-bas là au bout de mon doigt. Hop. Et j'ai vu qu'on pouvait descendre un peu plus bas. Donc
donc comme ça je serai bien isolé, puisque si vous regardez bien, et bien il y a un petit problème, comme il y a ce petit bout de bois, enfin il y a une barre. Du coup je vais aller descendre directement jusque là-bas. Accès à la digue, plongeon interdit. Diving and walking on dike prohibited. Voilà, ne suis pas en accent anglais. Et vu que les plages ont réouvert, et bah on va venir s'entraîner sur la plage aussi. Peut-être pas aujourd'hui, ou peut-être un petit peu, mais les prochains entraînements, je pourrais lancer des figures que j'arrive pas du tout et que je peux pas lancer sur l'herbe, parce que l'herbe ça sera encore trop dur. Je pourrais les lancer sur la sable. Donc là du coup on part en excursion au milieu de la mer, voilà. En chaussures ça glisse, donc j'imagine même pas pieds nus. Mais bon, je fais un petit accéléré. Yeah, my